Bonjour et bienvenue, j'espère que ça va, moi ça va bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre suivant de Tower of God. Donc on avait fait la semaine dernière le chapitre 595 ou 178 et on est passé au chapitre 79. Alors attendez, je finis par mes réglages. F11, voilà, ok. Ok, on est good. Alors juste, j'ai pas encore bien intégré le short. Donc faut que je fasse comme short. Voilà. Ok, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous préparez un très bon week-end. Et nous, on commence sans plus attendre. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait découvert que le livre, le fameux livre qui avait été la source de la mort de Yasracha et de tant de conflits, elle était arrivée entre les mains de Pobido Gustang, qui avait, qui s'était, Pobido Gustang du passé s'était trollé en disant eh, « t'es pas digne, la personne qui sera digne de lire ce livre est déjà, l'a déjà entre les mains ». Donc il y a eu ce, il y a déjà eu cette chose, qui était, pardon, streamer. Il y avait déjà eu cette chose. Il y avait aussi, du coup, la fuite de Guirin, les retrouvailles de papier Robadon, avec, avec ses petites filles et sa fille, et le groupe de BAM qui se rendait vers le grand show avec Goruro, je sais plus, bref, la grenouille qui est une grosse victime et qui s'est fait virer de ses groupes. Et on reprend de là, ils sont en route pour le. Ah oui, oui, pardon, il y avait le Fug qui était arrivé avec Luxleck Grass qui était là, et le Wolaxong était arrivé aussi. Donc on a Kelevan, je crois, le Blue Vortex, Kelevan, avec son super arc, il est très stylé ce perso, et qui s'apprête à tirer une méga flèche. Oula. Et moi quand je tire une flèche, je savais pas ça, il détruit la flotte. Ok. C'est magnifique. Une attaque ennemie. C'est une attaque ennemie. Le vaisseau principal est endommagé. Des troupes se cachaient dans les débris. Ces enfoirés de rats. C'est encore une fois un truc qui me perturbe, c'est que le style des cases change beaucoup. Là, je trouve que ce style-là est très différent du style qu'on a eu avant. Je sais pas si c'est l'épaisseur des traits. Pardon, la couleur. Mais il y a un truc. Ces enfoirés de rats. Comment osent-ils s'en prendre une famille comme la nôtre? Tiens. Il a pas l'air... Kalevan, il a pas l'air beaucoup plus perturbé que ça. Là, on sent l'influence de JoJo's Bizarre Adventures. On voit avec ce mouvement-là et le bras comme ça. Très JoJo's. C'est pas un mal. J'aime JoJo. Pff. C'est celle avec les ailes de papillon. Celle, celui. La personne avec les ailes de papillon. Qui es-tu? Monsieur Kalelam, je vais m'occuper de ce type. D'accord. Wouah, les bœufs! Oh la vache! Ceux qui se dirigent vers le grand show, partie 3. Quelques minutes plus tard. Oh putain! Oh le massacre! Oh, mais il y a carrément des morceaux! C'est rarement aussi gore. C'est rarement aussi gore. Mais ça juste pas ton pote. Il crache le sang. Bordel, quittez au juste. Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi puissant que toi ne figure pas au classement? Ce sont des Blue Vortex, effectivement. Kalevan, ça a été établi que c'était un Blue Vortex. Il était très puissant, mais il a disparu suffisamment longtemps pour ne plus être dans le classement. Et j'ai l'impression que c'est le cas aussi de cette personne. Où te cachais-tu tout ce temps? Je n'ai pas l'obligation de répondre, mais... Ancien de Fug, Blue Hole Garnak. C'est une ancienne. Oh. Surnom le papillon. Je peux bien t'offrir une réponse avant ton départ vers l'au-delà. Je viens de l'obscurité. L'obscurité? Alors, attendez. On va juste... On va en profiter. Alors, attendez un instant. Hop. On peut supprimer.
Ok. Hop. The darkness. Ah oui, c'est pas un con, c'est un con. Alors, Caracas Style, World of Darkness. Donc, c'est possible que ça vienne. C'est possible que ça vienne de l'obscurité. De. Qui vienne de la dimension de Caracas. Ok. Oh, plein de papillons. Plein de papillons. Oh, armée de Povido versus le chef des branches de l'Opobia. Le vaisseau mère de la famille Povido. Ne me dis pas que leur chef de famille est là. Hey hey. Ah, c'est vrai qu'il a pas son. Il a pas son tatouage caractéristique. Je pense que c'est un oubli. Voilà mes pauvres petits pillons. À tous les chefs de branche de l'Opobia, si vous souhaitez rendre les armes, faites-le maintenant. Dans ce cas, je vous épargnerai. Rendre les armes. Eh bien, mon père m'a dit de tous vous tuer, mais j'ai envie de vous utiliser pour un jeu plutôt amusant. Faut qu'ils arrêtent leur fascination pour les jeux, les Coréens. Un idiot comme moi a soudainement le pouvoir de décider des destins de personnes distinguées comme vous. Cette enflure, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, plutôt que de vous tuer immédiatement, je veux voir ce que ça fait de vous mener par le bout du nez. Ok. Tu sembles impatient de mourir! Elle a... On peut dire qu'elle a le sang chaud. Padoum. Oh, oh, tout de même. Bordel, c'est quoi cette barrière de protection? Il s'agit du vaisseau que le père a fait construire directement par l'atelier. Malgré son absence, ce vaisseau ne sera pas difficile détruit par vo- ne sera pas facilement pardon, détruit par vos attaques. Son père est absent? Votre barrière a beau être solide si le chef de famille n'est pas à bord. On n'a qu'à foncer dans le tas, il n'y a rien qu'on ne puisse vaincre. Ni même l'atteinte à la pudeur. Oh, le poisson... Ils sont très dérangeants, les Lopobia, je trouve. J'ai beaucoup d'entre eux sont très dérangeants. Hop. Donc, elle a lancé son truc. Elle, avec son pistolet à eau. Ça, c'est vraiment la personne qui sort du... Vous savez, qui a fait le spring break aux États-Unis, qui a juste pas eu le temps de se rhabiller devant que ses parents arrivent et d'être appelé pour les examens ou un truc dans le genre. On s'est peut-être fait avoir par votre attaque surprise. À l'intérieur des gouttes d'eau. Mais quasiment tous les chefs de branche qui étaient sur le vaisseau mère sont ici. Tu pensais qu'on allait se laisser faire? Elle se fait défonce. Tiens! Qui est l'enfoiré qui a fait ça à ma petite sœur? Espèce de rat, t'as tué ma sœur. Comme ils ont les cheveux verts, on peut supposer que c'est des descendants directs de Tromarei. Ah? Gustang, ce manteau blanc, c'est le chef des familles des Povido. Comment ça, les épargner, Belle-Île? Je t'ai pourtant demandé de tuer tous les chefs de branche et les Povia ici. Ah ah, vous rentrez plus tôt que prévu, monsieur. Il est effrayant. Je comptais les tuer, mais pour être la famille de Povia comme il se doit, je pensais opter pour une façon de faire un peu plus amusante. Je sais pas pourquoi son tatouage a disparu. Pour cette guerre, n'avez-vous pas décidé de suivre les idées de la créature insignifiante que je suis, père? Je vais utiliser ces types comme mes pions. La veille du grand show, groupe de BAM, en route vers le bourgeon. C'est vrai qu'on est juste la veille du grand show. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est un carnage. L'armée Povido s'est fait attaquer. Qui avait pu mettre la flotte dans cet état? Enfin, c'est une bonne chose pour nous. Monsieur Grasse. Oui, je sais. Voilà, Xang. Oh là là, ça pète la classe aussi. Je ne pensais pas qu'il se mêlerait à cette histoire. Alors... Oh non! Non, ça peut pas déjà s'arrêter là! Oh non! Oh, c'est super court!
Oh là là. Ok. Ok. On ne sait toujours pas qui c'est du Wolak Song, mais je pense que c'est Urek. Ça me semble plus logique. Parce que c'est un des plus interventionnistes, Urek. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, ce chapitre était assez court, je trouve, beaucoup plus court que le précédent. Peut-être qu'il y avait beaucoup plus de... Ça va être assez... De quoi un stream assez court. Il y avait beaucoup plus de dates d'action de combat et moins de dialogue. Et moins de lore, de toute façon. Qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, Kalevan était... On savait que c'était un Blue Vortex. Mais du coup, on découvre... Garka, c'est ça? Garnak, pardon. On découvre du coup Garnak, qui est une autre... Blue Hole, pas Blue Vortex. Blue Hole. Blue Vortex, c'est dans Naruto, je crois, ou Boruto, je sais plus. Blue Hole, pardon. Donc, on découvre Garnak. Ça veut dire que... Il y a plusieurs anciens de Fug qui sont des Blue Hole. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est devenu des Blue Hole? Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé sur le mur de la cohabitation? Avec Cha, Do et tout ça? Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont devenus Blue Hole et que tous les membres du Fug ont disparu? Est-ce qu'il y a une autre raison? Donc déjà, il y a quand même deux Blue Hole maintenant du Fug qui sont sortis. Et il y a, de toute façon, le Sleck qui est là aussi, ce qui est assez incroyable. Je n'imaginais pas du tout comme ça. T'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui peut faire du mal à quelqu'un, le Sleck. Donc il parle de... Je viens de l'obscurité et on voit que ça fait écho ce qu'elle dit avec le Sleck qui est en train de parler en même temps. Je viens de l'obscurité. Est-ce que ça veut dire qu'il la contrôle? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un discours qui est enregistré par tous les membres du Fug et par les anciens du Fug? Le fait qu'ils le disent en même temps, c'est surprenant pour moi. Est-ce qu'il entend ce qui se passe? Je viens de l'obscurité. Comme j'ai dit... Alors, attention, autre chose là. Comme j'ai dit, l'obscurité, ça évoque Karaka et le monde de l'obscurité, le monde de World of Darkness. Mais, qui d'autre vient de l'obscurité? Bam vient de l'obscurité. Bam vient d'une grotte où il ne voit jamais le ciel et il est tout le temps dans l'ombre. Est-ce que c'est une référence à Bam, du coup? De l'obscurité. C'est un peu comme les préceptes Jedi. Ce genre de choses. Pas si c'est fait exprès ou pas qu'il ait perdu ses tatouages sur le dessus, faudrait voir. Mais on a donc Gustang lui a donné tous les pouvoirs. Il les utilise, visiblement. Il y a la plupart des chefs de famille des Lopobia qui sont là. Donc on peut voir aussi qu'ils sont littéralement frères et sœurs. Et encore une fois, hein, comme j'ai dit, Lopobia, moi je trouve qu'ils ont un design extrêmement dérangeant. C'est fait exprès, hein, mais. Là, des ailes, je pense que c'est du sang. Je pense qu'on peut dire que c'est du sang. Déjà, comment elle arrive à s'attaquer tout ce sang de son corps? Ah oui, pardon. Le vaisseau a été construit par l'atelier. Le retour de l'atelier.
Ok, donc encore une fois, l'atelier qui fait des choses qui sont plus résistantes. Autre chose importante, malgré son absence, vous ne serez pas facile, facilement détruit par vos attaques. Ça veut dire que potentiellement, Gustang est en symbiose avec son vaisseau, ou en tout cas renforce par sa seule présence le pouvoir de son vaisseau. Est-ce que ça veut dire du coup que les autres chefs de famille ont aussi ce genre de pouvoir, de cette capacité à renforcer des lieux juste par leur présence? Donc on voit le combat, pas de soucis là-dessus. Ok. Elle a vraiment un design, mais... C'est elle qui me perturbe le plus. Elle est très bien dessinée et tout, hein, mais c'est juste, mais qui vient en maillot de bain à une guerre? C'est un truc que j'adore, ils sont toujours habillés d'une manière absolument incongrue pour le jeune que c'est. Et, ah, j'avais pas vu, regardez, les poissons ont des... Les poissons ont des mitraillettes dans la gueule. Les poissons ont des putains... Mais c'est... Ah non, c'est des... D'accord. C'est des drones. Ok, j'ai cru que ces poissons étaient... Genre, c'est, des... Okay. C'est des drones. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des gouttes d'eau? D'accord, alors... Visiblement, ce qui a fait ça, c'est Pobido Gustang. Donc Pobido Gustang, juste par sa présence, a repoussé l'attaque. On peut supposer, du coup, comme je disais, que du coup, la barrière du vaisseau est renforcée par Pobido Gustang et qu'il y a une sorte de symbiose entre eux. Intéressant. A priori, on voit aussi qu'ils volent. Ils volent tous. Et alors, il y a toujours cette chose. Donc, à mon avis... En fait, je sais pas si c'est une téléportation, pour pouvoir en parler, si c'est un passage entre les étages. Parce qu'on sait que les chefs de famille peuvent à peu près aller dans n'importe quel étage. Donc Pobido est en train de voler, enfin il marche plutôt dans les airs. Belle-Île, il s'appelait pas... Belle-Île, c'est quoi son... Attendez. Je vais juste regarder son nom. C'est quoi son nom en anglais? Il l'appelle comment? Belle-Île. J'adore parce que... Quand tu cherches Tower of Gold, les premières choses qu'il y a, c'est Rachel Hate. Belle-Île. Alors, c'est Pobido. Belle-Île. Donc, en anglais. Alors, là, regarde. Belle-Île. Belle-Île. Ah! Belle-Île. Ce serait Belle-Île, du coup. Ah, non. D'accord, c'est un joueur de football espagnol, Hector Bellerin. Et après, il utilise plutôt des... Je pense que c'est peut-être plutôt Belle-Île, parce que... Il utilise beaucoup... de noms français aussi pour les Pobido. On l'a vu avec Hugo... Dumas, peut-être que c'est Belle-Île. Je sais pas pourquoi il a plus son dessin sur la tête. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a plus là. Ok. Mais là, il a plus son tatouage. Pourquoi il a plus son tatouage? Je sais pas si il y a une raison ou pas. Est-ce qu'il y a une possession? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas? Tata...
dégâts du Blue Hole. Qu'est-ce qui s'est passé sans carnage? No chance in hell. Et du coup, on arrive avec le Wallax. Mais le Wallax était déjà arrivé il y a plusieurs épisodes. Monsieur Grasse. Oui, je sais. Wallax. Je ne pensais pas que ça mènerait à cette histoire. Ouais, donc c'est... ça va être un Battle Royale, quoi, du coup, le grand show. Si t'as le Wallax, le Fug, les Pobido. Les Pobido, les Lopobia, la team de BAM, la Révolution. Eh ben écoutez. Du coup, c'était plus court que les autres fois. Parce que bah, le chapitre était soit plus court, soit plus orienté action. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, alors là, aujourd'hui, mon horaire était un peu décalé parce que j'ai eu la visite de ma maman. Mais on retourne plutôt vers 19h30-20h la semaine prochaine. Pour. Toujours analyse, pour toujours, oui, l'analyse, la vérification, enfin les théories, tout ça. Donc, analyse, il n'y a pas grand-chose à analyser, mais il y a des théories quand même à faire. Qu'est-ce que les nombres? Est-ce que la nombre, c'est une référence au monde de Karaka? Ou est-ce que c'est une référence, peut-être, à l'obscurité de BAM? Autre chose intéressante, du coup, comment... On a vu que Tromaray s'est déplacé comme ça, Pobido aussi se déplace comme ça, mais comment ils se déplacent entre étages? C'est d'une zone à l'autre, je ne sais pas trop. On a vu que les Blue Hole sortaient du coup de leur cachette. Et on a vu également que Luslek Grace parlait en même temps que ces Blue Hole. Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas, alors comme je vous savez, hein, comme d'habitude, à vous abonner, si vous avez envie de voir la suite, d'être prévenu à l'avance, à laisser un commentaire, c'est bon pour mon référencement, ça fait que les gens s'intéressent, donc je vous répondrai pour l'instant, je peux répondre à tous les commentaires, allez-y. vous pouvez laisser un j'aime aussi, ça m'aide toujours, ça aidera ma chaîne. Comme je l'ai dit, je finis un projet sur du JDR, et après je vais quand même me mettre à Tower of God. La première vidéo que je vais faire, je l'ai en tête là, c'est une sur les différents canons et comment la canonicité fonctionne dans Tower of God. Et il y a une autre qui sera un Iceberg Tower of God que j'ai repris de Dr. Bonehead et que j'ai traduit et que j'ai fait. Il faut juste que j'enregistre, il est fait, il faut juste que j'enregistre. Merci beaucoup d'avoir été là. En attendant, soyez chou, soyez doux, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Salut !